Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mettons-nous maintenant en présence de notre Dieu et humblement nous allons prier. Nous venons d'écouter sa parole. Il nous a rappelé au cœur de notre vie d'ici-bas notre identité et notre mission. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à être sel de la terre et lumière du monde. Mais comment nous pouvons être sel de la terre et lumière du monde si nous ne sommes pas connectés à notre Dieu? Mais comment nous pouvons être sel de la terre et lumière du monde si nos cœurs ne sont pas disposés à accueillir cet enseignement? Voilà pourquoi, avant toute chose, nous allons entrer dans nos cœurs. Nous allons entrer en nous-mêmes et prendre conscience que souvent, au lieu d'être sel de la terre, nous sommes plutôt ce sel fade qui ne sert à rien sinon qu'à être piétiné. Au lieu d'être lumière du monde, nous sommes plutôt de ceux qui entraînent nos frères et sœurs dans la vie des ténèbres. Et pour cela, avant toute chose, demandons sincèrement pardon à Dieu notre Père. Seigneur notre Dieu, tu viens de nous rappeler aujourd'hui, tu viens de nous rappeler à travers cette prédication notre identité et notre mission. Mais souvent, nous oublions ce que tu voudrais que nous soyons. Souvent, nous oublions ce à quoi tu nous appelles. Pour toutes les fois que nous n'avons pas été le sel pour nos frères et sœurs, pour toutes les fois que nous n'avons pas été cette lumière pour éclairer nos frères et sœurs, humblement, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour notre manque de fidélité. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons été lents à mettre ta parole en pratique. Pardon, Seigneur, pour nos manquements. Pardon, Seigneur, pour nos péchés. Viens nous purifier par ton sang. Viens nous accorder ta miséricorde. Viens nettoyer nos cœurs. Viens nettoyer nos pensées pour que nous soyons ces instruments dont tu te sers, Seigneur, pour donner le goût à la terre, pour que la lumière, ta lumière, puisse éclairer ce monde. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour tous nos péchés. Et humblement, nous pouvons te dire, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais humblement devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, Seigneur, j'ai vraiment péché. Voilà pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, pardonne nos péchés. Et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Frères et sœurs, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Nous allons encore demander la lumière de l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire. Pour que sa lumière éclaire notre intelligence, nous donne la force, renouvelle en nous toutes les énergies spirituelles que nous avons reçues les jours de notre baptême, les jours de notre confirmation, pour que nous soyons capables d'accomplir notre mission, celle d'être sel de la terre et d'être lumière du monde. Viens, Esprit Saint,
Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Viens, Esprit Saint, esprit de paix, esprit de joie, esprit d'amour. Viens, Esprit Saint, viens éclairer nos ténèbres, les ténèbres de nos vies. Viens, Esprit Saint, éclairer les ténèbres de nos cœurs. Viens, Esprit Saint, nous utiliser efficacement pour que nous soyons capables de donner le goût au monde, pour que nous soyons capables de donner le goût à la terre, pour que nous soyons capables d'être témoins, d'être modèles, d'être lumière pour nos frères et sœurs. Viens, Esprit Saint, viens habiter en nous. Viens, Esprit Saint, viens nous éclairer. Viens, Esprit Saint, viens nous guider. Viens, Esprit Saint, viens nous conduire vers la vérité tout entière. C'est toi que nous invoquons. Donne-nous encore cette force. Donne-nous encore cette puissance. Donne-nous encore cette grâce d'être réellement témoin, témoin de la bonne nouvelle du salut, témoin de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, mais aussi témoin de la foi. Aide-nous, Seigneur, à être réellement pour nos frères et sœurs, ces hommes et ces femmes qui donnent les goûts de la vie, qui donnent la lumière, qui sont modèles, qui brillent, qui donnent la vie, qui montrent aux frères et sœurs des bons exemples. Cela nous aidera justement à témoigner de toi et à aider nos frères et sœurs à te suivre et à conformer leur vie à la bonne nouvelle du salut. Merci, Esprit Saint. Merci pour ta présence parmi nous. Viens, Esprit Saint. Merci pour la lumière que tu nous apportes. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Le Seigneur nous a rappelé dans l'enseignement d'aujourd'hui que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Prions maintenant le Seigneur notre Dieu pour qu'il nous donne cette grâce d'être fidèles à la mission qu'il nous confie. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons d'écouter ta parole. Oui, tu viens de nous rappeler notre identité et notre mission d'être celle de la terre et d'être la lumière du monde. Merci Seigneur pour cet enseignement de ces jours. Merci Seigneur pour les rappels que tu nous donnes, mais aussi pour tes avertissements. Tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde. Merci Seigneur pour cette confiance que tu nous donnes. Merci Seigneur pour nous avoir rappelé ces grands pouvoirs que nous tenons de toi, celle d'être sel de la terre et celle d'être lumière du monde. De même que le sel sert à donner le goût et à conserver les aliments, aide-nous à garder et à conserver la terre que tu nous as donnée et tout ce qu'elle contient, que nous soyons capables de la rendre agréable, vivable et de bien conserver, Seigneur, toutes ces créatures et de donner de la saveur partout et partout où nous vivons. Comme la lumière qui éclaire, comme la lumière qui brille et qui donne la vie, fais que, Seigneur, notre vie soit un exemple et fais que nous soyons capables de donner la joie à tous ceux qui nous côtoient, à tous ceux qui vivent avec nous, à tous ceux qui travaillent avec nous. Fais, Père, que nous soyons capables, en vertu de la puissance de l'Esprit Saint reçu au baptême, d'éclairer ce monde, Seigneur, ce monde qui est caractérisé par les antivaleurs, d'éclairer ce monde
où le mal est devenu une vertu, le mal sous toutes ses formes. Fait que notre exemple inspire tous ceux qui se méconduisent, tous ceux qui mènent une vie de désordre, que ceux qui sont sous l'emprise des ténèbres de ce monde, Seigneur, les esprits des ténèbres puissent être, Seigneur, combattus par ta lumière, combattus par nous qui sommes tes enfants. Viens nous éclairer, viens libérer ce monde de tout esprit du mal, de tout esprit de ténèbres. Fais que libéré par la lumière du Christ, que le monde entier, que les hommes et les femmes de ce monde, Seigneur, te suivent, car toi-même tu l'as dit, tu es la lumière du monde. Tous ceux qui te suivent ne marcheront pas dans les ténèbres, mais ils auront plutôt la lumière de la vie. Fais que nous puissions vivre dans ta lumière et que nous puissions répandre cette lumière dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans nos milieux sociaux, partout où tu nous envoies, Seigneur, que nous soyons capables de répandre ta lumière. Accompagne-nous dans nos projets de vie pour que nous sachions toujours témoigner de toi, à temps et à contre-temps. Seigneur, nous croyons que tu es la lumière et que nos ténèbres, par toi, peuvent devenir lumière. Ne permets jamais que les ténèbres de nos épreuves, les ténèbres de nos souffrances, les ténèbres de nos maladies nous écrasent. Que ton Esprit Saint nous éclaire pour que tout esprit de ténèbres, du mal et du péché n'ait plus jamais d'emprise sur nous et d'emprise dans ce monde. Veille sur ton peuple, veille sur ton Église, veille sur notre communauté. Fait que nous puissions prendre conscience de notre identité et que nous soyons réellement, chacun en ce qui les concerne, sel de la terre et lumière du monde. Fait que par nous, Seigneur, que ce monde change. Fait que par notre action pastorale, Seigneur, que ce monde puisse devenir un lieu où il fait beau vivre. Un lieu où les hommes et les femmes s'aiment, se considèrent comme réellement frères et sœurs. Fais que ta lumière soit sur nous, Seigneur, comme notre espoir est en toi, car tu es notre Dieu, toi qui vis, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde et vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.